Bonjour pour une toute nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous présenter la Omnis et on va aller à Los Santos Custom pour voir ce que j'ai personnalisé, ce qu'il y a personnalisé, ce que je trouve bien, ce que je trouve pas bien, et voilà. Vous donner un petit peu des idées si vous comptez l'acheter. Donc elle est à 0€. Donc pour l'acheter, vous allez sur internet, dans Voyage et Transport. Non, ça, je sais pas, j'arrive pas à le prononcer. Trier par prix. Et vous avez d'autres véhicules à 0€ là. Et dont celle-là qui est là. Omnis, vous avez souvent comme ça, souvent comme ça. Bon, au début, je l'ai pris comme ça. Et après, je l'ai personnalisé comme ça. Donc là, je vais vous emmener à Los Santos Custom pour vous montrer ce que ça donne. Bon, elle freine pas très bien. Regardez, hop là, j'ai freiné. Mais elle a une belle accélération. Je vous montrerai de toute façon tout ça. Après, on fera un test de toute façon. Alors, blindage, j'ai rien mis parce que ça coûte trop cher pour rien. Frein, 20 000 trop cher pour rien aussi. Mon éther, j'ai mis à fond, j'ai pas encore débloqué, sinon je le mettrais là quoi. Échappement, j'ai au début on a celui-là, donc moi j'ai mis celui-là. On est d'accord qu'il est largement plus beau. Explosif, je sais pas quoi ça sert, j'aime pas. Klaxon, j'ai mis un petit truc pour changer. J'ai mis celui-là. Ok, le truc de clown. Éclairage, les phares, j'ai mis cela. Phare de série en bleu comme ça. Kit de néon, j'ai rien mis parce que 30 000€ les néons, merci. Tac, motif, vous pouvez la remettre hein, comme ça quand vous l'avez au début ou comme ça. Moi j'ai mis comme ça. Plaque, j'ai mis cette plaque là parce que bah, va bien avec ça, ça coûte pas trop cher sinon vous avez ça. Ah, bien que mes couleurs en plus. Peinture, je vais vous donner un petit aperçu vite fait. En maths. Parce qu'il faut la prendre en maths cette voiture parce que on la raye souvent et en maths on voit moins les rayures. J'aime bien en bleu comme ça. Voilà, après en violet. Moi je pense que si quand je débloquerai ça, je vais la prendre comme ça. Secondaire, je vais vous montrer un peu ça. Blanc, c'est pas mal aussi. C'est l'intérieur quoi en fait. Vert aussi, il y a moyen de faire un truc stylé. Voilà. Tu peux la vendre à peu près 20 000. Et le rond. Moi j'ai gardé celui du début parce que sans rien déjà c'est horrible. Et avec le plus gros, c'est un peu trop gros je trouve. Je trouve que ça fait trop. Voilà. Suspension à fond. Transmission 32 000 pour presque rien, regardez là. Turbo 50 000, je sais pas si je vais mettre. Je l'aurai. Au goût, bah, j'ai mis les. Ceux-là, là, les Shadow. Mais. Je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre. J'aime bien ceux-là. Mais... En lowrider, il y a moyen de faire un truc un peu stylé, ouais. Comme ça. Ah, comme ça, c'est stylé, hein. Dollar aussi. Voilà, sport. Ouais, sport, c'est pas très beau. Hein. Voilà, donc couleur des jambes, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Je vous montre un petit peu. Voilà, pneu, j'ai pas mis à l'épreuve des balles. J'ai mis les fumées en vert. Parce que c'est en promotion en plus. C'est pas cher en ce moment là. Les fenêtres. Tac. J'ai mis cela pour qu'on voit un peu l'intérieur. Et cela on voit pas trop, donc j'ai pas mis ça quoi. Et voilà, donc là on va faire un petit test de rapidité et tout quoi. Pour voir ce qu'elle donne sur la route. Déjà la fumée verte, regarde ce que ça donne. Vous pouvez mettre autre chose en fumée, moi je trouve que ça va, c'est pas non plus fou. Voilà. Il fait une petite accélération. C'est une voiture qui accélère vite. Rapide et compacte. Après elle patine un peu. Elle patine un peu. Faites des virages comme ça. Ah non, en fait elle patine pas non.
Pardon. C'est justement une voiture qui patine pas en fait. Donc voilà. Allez, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la Turismo R aussi, qui est dans la playlist personnalisation véhicule GTA. Et sur notre chaîne. Et voilà.